Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un magnifique jeune journal que j'ai reçu de Marielle. Marielle m'a contactée il y a quelque temps pour me demander de faire un échange. Donc, elle voudrait que je lui envoie un mini-album. Alors, au départ, il était convenu que je lui envoie un mini-album que j'avais déjà créé. Mais je trouve que ça ne se fait pas puisque elle a mis énormément de cœur et d'amour à faire ce junk journal pour moi. Donc j'ai décidé de lui préparer un mini-album spécialement pour elle. Donc voilà, je vais vous le montrer. Il est vraiment très beau. J'ai été ravie quand je l'ai reçu. Honnêtement, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. C'est vraiment très très gentil. J'ai été très touchée. En plus, bon, comme vous le savez, ce sont mes couleurs, ce sont tout ce que j'aime, hein. Alors, je vous mettrai la chaîne de Marielle en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, elle fait des junk journal tous aussi beaux les uns que les autres. Alors, on va commencer. Donc, voilà. Donc déjà, vous voyez sur le côté, elle m'a mis un magnifique, on peut dire un bijou de tranche. Avec des perles, de la ficelle, des boutons. C'est vraiment très, très, très beau. Ça fait nature, ça fait vintage. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors ensuite, donc, la couverture se présente comme ceci. Donc, c'est une couverture en tissu qu'elle a cousue. Elle a mis de la dentelle, des perles. Ici, c'est écrit journal. Ici, donc, c'est un embellissement avec des petites fleurs, donc, brodées. C'est du tissu. Là, on a un magnifique épi de blé. Oui, c'est un épi de blé, on peut dire ça comme ça. Et puis là, on a une très, très, très belle fleur avec une magnifique feuille à côté. Alors, le dos, il est comme ceci. Hop, il est comme ceci. Avec, donc, toujours la dentelle que l'on retrouve. Les perles et puis donc la couverture cousue en tissu qui est magnifique. Alors il est tout petit et franchement je le trouve trop beau. Je vais vous dire combien il mesure. Donc il fait environ 12 cm, 12 cm et demi sur 15, 15 et demi. Et franchement il est trop trop choupinou. Alors quand on l'ouvre, ah oui aussi je voulais vous dire, elle m'a envoyé, j'ai un petit peu de mal avec les temps conjugués en ce moment, donc ne m'en veuillez pas, vous voyez, hein, comme quoi. Bon, j'ai pas d'explication à donner, mais bon, j'ai un petit peu de mal, voilà. Donc une petite pochette fermée par un super ruban. Hop, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer le junk après. Donc c'est une pochette qu'elle a fait elle-même et à l'intérieur on a. Alors, on a, hop, voilà, un magnifique nœud en tissu. C'est même pas un nœud, je vous dis des bêtises, c'est un papillon. J'avais pas vu les petites antennes, c'est un magnifique papillon. Merci Oreo de me pourrir ma vidéo, c'est sympa. Je suis désolée pour Oreo qui passe juste devant vous. Alors, magnifique papillon, il est trop trop beau. Là, Oreo, tu vas me faire tomber la caméra si tu te mets là. Excusez-moi, j'enlève le chat. Je suis désolée hein, pour cette petite interruption. Donc, je disais, un magnifique papillon. Ensuite, à l'intérieur, donc il y avait des petites breloques comme ça. Donc, j'espère que c'est pas tombé de quelque part et que c'est des petites breloques que tu as bien mis à part. Hein, parce que je sais pas du tout. Hein, des fois, pendant le transport par la poste, ça peut se détacher de quelque chose. Donc là, je ne pense pas. Donc, des petites breloques. Alors, tout ça, je vais le rajouter dans ma petite boîte de junk. Ça, on va couper, je suis désolée. Oreo est insupportable ce matin. Bref. Donc, je vais mettre tout ça dans ma petite boîte de junk journal. Vous savez que je suis en train de faire mon junk, que j'ai toujours pas eu l'occasion de continuer. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas encore vu ce qu'il était devenu. Alors, donc, on a... Elle m'a envoyé trois superbes enveloppes en craft. Un tissu avec, donc, écrit journal et cousu à la machine, cousu et brodé. Donc, comme celui-ci. Voilà, vous le retrouvez sur le dessus de la couverture. Elle m'a envoyé, donc, des petites cartes. Voilà. Et ça, c'est son petit mot.
Donc, petit mot, voilà, elle me disait qu'elle y avait mis beaucoup de cœur. Donc, ça, je n'en doute pas du tout parce qu'il est vraiment très, très beau. Hop, je vais mettre tout ça de côté et je vais vous montrer le junk maintenant. Alors, le junk se présente comme ceci. Voilà. Il est vraiment magnifique. Alors, ici, j'ai un super petite carte là avec de la dentelle dessus, c'est très très beau, tenue par une trombone, ou un trombone, je sais pas trop comment on dit. Ah, c'est tout cousu avec du super fil rose, c'est très beau, c'est vraiment très 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 beau. Ah, là c'est chouette ça. Alors je sais pas avec quoi tu l'as fait, avec de l'encre peut-être, mais la tâche est magnifique, le papier est très très beau. Ah ouais, vraiment très chouette. Là, un petit paperclip. Non, il est chouette, hein, il est vraiment beau. J'adore moi les junk aussi avec de la couture et puis des fils qui dépassent comme ça, je trouve ça chouette. Il est vraiment sublime. Alors je découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas, eu l'occasion de l'ouvrir encore. J'attendais de vous faire la vidéo. Alors je ne vous décris pas tout ce que vous voyez à l'écran, hein. La dentelle. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce mélange de dentelle, de tissu, de papier. De fil de couture, oh, avec un beau papillon là. Voilà, donc là, deux magnifiques cartes. Oh, c'est trop beau. Oh, ce papillon est magnifique. Magnifique. Avec un napperon, un beau napperon en papier, qui sert donc de support pour ces deux petites cartes. C'est trop beau. Tissu. Voilà. Là aussi. Oh là là, c'est vraiment très beau. Regardez ça. Là, on retrouve encore une carte. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, ne vous inquiétez pas. C'est toujours Oreo qui fait la folle. Elle est complètement surexcitée ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ça faisait longtemps. Elle a une page de bouquin. Ah, puis alors le mauve mélangé avec ces papiers vieillis là, c'est super beau. Voilà, tu voulais mon avis, Marielle, mais franchement, tu fais des très très beaux junk. Moi, j'ai eu l'occasion de passer sur ta chaîne, hein, donc je me suis même abonnée d'ailleurs. Tu fais vraiment des choses magnifiques. Donc, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Voilà, une partition. C'est sublime. Ah, excusez-moi, mon téléphone. Non, c'est bon, il va le sonner. Je regarde quand même parce que comme l'école a repris aujourd'hui, c'est le premier jour de reprise. Donc comme j'ai mes enfants qui sont partis, on ne sait jamais. Avec encore de la dentelle. Et puis tous ces petits fils là qui pendouillent, qui donnent un aspect très très vintage au tout. Et moi j'aime. Oh là là, j'aime. Voilà, puis ce mélange, regardez, ce mélange de tissu, dentelle, couture. Oh, c'est trop, 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 trop beau. Ah là 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 là. Donc ici, on a la partition qu'on retrouve donc avec une magnifique dentelle. Elle est très belle, cette dentelle. Là, c'est... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait une feuille. Voilà, ça fait une feuille dessinée. Une tache, ça fait une feuille, c'est trop beau. Ah là là, c'est superbe. Là, on reconnaît le vélum de chez Action. Vous voyez comme quoi le vélum de chez Action ou d'une autre marque, hein, enfin d'une autre boutique, peu importe, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de créations. Vous n'êtes pas obligé de trouver une utilisation très technique.
Il s'adapte parfaitement, vous voyez, dans les albums, les junk, sur des embellissements. J'avais dit d'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet des embellissements avec le vélum de chez Action. Puis honnêtement, j'ai tellement de choses à vous proposer avant que, bon, cette vidéo, je l'ai un petit peu mise de côté et je verrai ça plus tard. C'est pas pressé. C'est très, très, très beau. Voilà, vous voyez, hop. Ça s'intègre parfaitement. Oh, cette fleur est magnifique. Une jolie partition. Encore. En vélum. Notre page de livre. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin donc avec ce tag, ce magnifique tag. Donc avec un mélange de tissu, de dentelle. C'est vraiment très beau. Et la couverture est hyper rigide. En fait, elle a fait une double couverture, une couverture normale où elle a mis le tissu. Et puis ici, c'est une autre couverture cartonnée. Franchement, il est magnifique ce junk. Alors, tu vois, Marielle, tu voulais absolument avoir mon avis. Moi, je te le donne. Ne doute absolument pas de toi ni de ton talent pour les junks. Parce que, honnêtement, il est vraiment trop beau. Ce que tu fais, c'est vraiment très, très beau. Hein, les personnes qui me suivent pourront s'en rendre compte en regardant ta chaîne. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc écoute, Marielle, je te remercie énormément. Moi, quand j'aurai mis cette vidéo en ligne, je pense que tu auras reçu ce que je t'ai préparé en échange. Donc c'est pareil, je vais préparer une vidéo de présentation. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!